chez My Melody. Aujourd'hui, demandez vêtements élégants. Je dois m'en occuper tout de suite. Allô? My Melody, je ne peux pas être là aujourd'hui. Je me suis cassé le robinet. Oh non, tout va bien? Eh bien sûr, il n'y a que de l'eau partout. Eh bien, je dois aller m'occuper de cette eau. Ah, fou. Ouais. Kurumi, j'ai fait le plus vite possible. Tu veux de l'aide avec le robinet? En fait, ce n'est pas cassé. Je l'ai seulement dit parce que je n'ai rien d'élégant à mettre pour la fête. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Que je reste à la maison à jouer de la guitare. Non, mon cœur, ça veut dire qu'on va faire du shopping. Sans offense, mais aucune de ces robes n'est appropriée. Je vais sauter le goûter. Je passerai vous saluer plus tard, d'accord? Attends, j'ai la solution parfaite. Je te donnerai une de mes robes. Je ne suis pas sûre. J'en ai une super. Elle est si parfaite pour toi. Tu peux la garder, tu vas l'adorer. Tu ressembles à une princesse. My Melody, la prochaine fois, je réparerai le robinet moi-même. Ai-je dit quelque chose de mal? Oh non, le robinet? J'ai réalisé que j'ai donné à Kurumi une robe que j'aimais plutôt qu'une robe qu'elle aimait. Ah, je suis sûre qu'elle sait que tu voulais juste aider. Ah, regarde, c'est sa robe. On est là pour toi, Kurumi. Tu es là? Kurumi, ça va? Maintenant, oui. J'avais besoin de me sentir plus moi-même. Wow, Kurumi, c'est génial. Oh, c'est super mignon. Merci. Et merci pour la robe que tu m'as donnée. J'avais vraiment besoin de ton aide. Mais j'avais aussi besoin de faire ma part. Bien sûr. Pendant que tu y es, prends ces sandwichs que je t'ai préparés. Ah! Pour moi, My Melody, ils sont parfaits. Miam.